bien le bonjour à tous, ici Manuelo en compagnie de... Inns, salut. Pour l'épisode, et sûrement j'espère, le dernier de Hunted... Je sais plus c'est quoi le reste du nom, The Demon Forge, voilà. Tu espères? Pourquoi tu espères? Bah on est à 6.4, 6.4. Non mais pourquoi tu... Pourquoi tu dis que tu espères que c'est la fin? Bah parce bien, que je pense que ça va être la fin. Donc dans ce cas-là, tu dis « je pense que c'est la fin voilà. ». Ça me fait que c'était chiant. Ouais. C'est avec toi, Magno, hein. Ouais. C'est ça qui est derrière le jeu. Bon. Personne. Il y en a un tout en haut. C'est ça. Ah oui. Bah c'est tout ça pour ça. J'ai cru qu'il y avait plus de mobs là. C'est du foutage de gueule. Bah pourquoi j'ai craché du coup. Bah moi non plus, j'ai pas compris pourquoi t'as craché. Allez. Allez, Kadok. On a survécu à toute une complication de dragon. Ouais. Je me demande juste ce qui peut encore arriver. Maintenant c'est toi que je vois sans veine. Va comprendre la chose. Voilà, 6.5, j'imagine. Et ils ont vraiment cru qu'on était si mauvais que ça, regarde-moi ça. Apparemment. Bon, bah, pour continuer, hein. Ah, y'a un mort. Je crois que c'est un crâne de dragon. Ah, ouais. De la blague. De mon vivant, j'ai dû combattre au nom du roi de Daifed. Sous ses ordres, moi et mes semblables avons terrassé le roi de Kalamur et ses troupes. C'est au plus profond des ruines encore fumantes que mon compagnon et moi-même avons découvert un bassin rempli d'un mystérieux liquide argenté. Irrésistiblement attirés, nous y avons bu tout notre soul. Un pouvoir inouï s'est alors emparé de nous, nous libérant de l'emprise du roi de Daifed. Furieux, nous avons volé jusqu'à Daifed pour y semer mort et destruction. De retour au bassin argenté, nous sommes tombés dans un profond sommeil de plusieurs siècles, jusqu'à ce que mon camarade me réveille. Il avait changé. Son âme semblait vide. Sans avertissement aucun, il m'a violemment frappé. Et depuis, je suis emprisonné entre la vie et la mort. Bien, je vais t'aider à finir de mourir. Là, t'es plus mort qu'autre chose, hein. Ça va mourir en plus, hein. Ouais, ouais. Bon, allez. Bizarre, quoi, des dragons maintenant qui me... Ouais, bah, je pense que dès que c'est mort, dès qu'il y a un cadavre, on peut... T'as entendu ? Des incantations, ça présage rien de bon. Ah bon? Non, en tout cas, on est vraiment pas loin. T'as senti ça? Oui, c'est comme s'il y avait une présence. Une présence démoniaque. On est vraiment tout près du cœur de cet endroit. Oh. J'adore ta vente, tu te prends une flèche. Mec, y'a vraiment pas peur. Ah. Un autre, il est monstrueux. Oh. Merde. Y'en a qui rappliquent. C'est tout? Mais... On reste un peu sur notre fin. Ouais, franchement là je suis un peu dégoûté. Et ça va là niveau potion de soins hein. Il y a ce qu'il faut je pense.
Ils se sont éclatés. T'as des flèches ici. Cool, j'en avais plus. C'est vrai? Ouais. Il m'en restait 50. Qu'est-ce qu'il y avait par là-bas du coup? Rien, hein? Attends, j'ai des flèches encore. Non, il y a rien. 150, ok. Alors. Allez, prochaine salle, c'est rempli de fioles de magie. Pourquoi t'as plus de magie? Hein? T'as plus de magie? Non. Juste ce qu'il fallait. Mon ancien bouclier était un peu abîmé. Je crois qu'il y a des gros. Enfin. Ouais. Eh, il y a des armes magiques. Ouais. Alors laissez-moi. Avance pas trop, avance pas trop. Parce que là, ça sent bien la grosse arène, là, tu vois. Ouais. C'est bon, attends, je vais utiliser un des râteliers. Ouais, j'ai une arme de lettre. Oh yeah! C'est bon, on peut y aller. Enfin, tu veux pas récupérer l'arme violette, toi, derrière? Bah, disons que moi, la mienne, elle a toujours toutes ses charges. Toutes? Ouais. Elles ont combien de charges, tes armes? 20. Vas-y, je vais aller comme ça. T'as besoin de magie ou pas? Hein? Y'en a plein partout là de ouais, magie. Je vais en prendre une. Si je peux revenir en arrière, je vais essayer d'utiliser mon arc. Si je peux revenir en arrière après. Bon? Ouais, vas-y. On y va. On dirait des bassins de Sleek, non? Ouais, j'ai l'impression. Encore? Oh là là! On t'a pas déjà vaincu, toi? J'ai peur. Ah, mais bon, maintenant! Il est sérieux, lui? C'était tout? C'est ça pour ça? Quoi qu'il a lâché? Des flèches? Wow! Ah! En plus, elles tiennent bizarrement. Ouais, j'ai cru que c'était une statue ou un truc comme ça. Oh non, des flèches. C'est tout? Une si grosse arène juste pour ça? Franchement, je suis déçu. Ah, mais je crois qu'on aurait dû y rentrer dès le départ. Ah, tu penses avec tous les petits. Les petits dorés et tout? J'aurais fait trop mal, c'est ça? Bon là je vais pouvoir reprendre mon arc, j'espère qu'il est toujours. Ouais. Jolie petite babiole. Ah ouais, tu m'étonnes, le truc il a plus de 2000 d'attaque. Enfin plus de 2000 d'attaque pardon. Encore je pense que c'est pas le plus puissant. Ah non attends, je te dis des bêtises. 372 plus 1302, donc un peu plus de 1600 d'attaque. Ça va! Ah, mais bon, c'est un long. Hein. Oh, un mort! Il s'est juste fait embrocher. Il s'est juste fait embrocher ici, lui, je suis sûr. Ah, oui. T'as un gros truc qui m'a pas fait. La dame d'honneur de son auguste majesté, la reine de Calamour. Elle était si belle, ma reine, avec son abondante chevelure dorée. Toujours vêtue de robes royales absolument splendides. Une nuit, ma reine m'a dit que son époux adoré, le roi, avait trouvé le moyen de nous sauver. Je les ai suivis.
Il l'a conduite jusque dans le gouffre qu'il avait fait creuser dans la ville. Tout au fond se trouvait une immense... puis d'un équilibre argenté très étrange. Okay, ma reine était aussi impressionnée que moi, jusqu'à ce que son auguste majesté lui plonge un poignard dans la poitrine. Il l'a tuée. Il l'aimait pourtant. Je n'ai pas pu le supporter. Je suis partie en courant dans les appartements de ma reine et j'ai sauté par la fenêtre. Bah, qu'est-ce que tu fous là, là? Attends, elle est allée dans les appartements, elle a sauté de la fenêtre dans les appartements et son corps, il est là. Tu m'expliques ce délire? Une idée. Wow. Ah ouais, on s'engouffre très profondément dans... Ça fait bizarre, là tu vois, y a un peu de lumière et tout. Ouais. C'est bien Vincent ou quoi? Ouais, j'arrive. Ah. Vraiment génial. Comment diable va-t-on franchir ces deux dragons? Facile. Toi, tu prends celui de droite. On pourrait utiliser la pierre. Ton épée sera légèrement plus efficace, mais si tu veux leur jeter des cailloux, fais comme tu veux. La pierre des morts est là. Utilise la pierre des morts. Ah, cette pierre. Ah. Okay. À mon avis, c'est pas vraiment du jeu. Quand comprendras-tu que le but est de survivre, pas de jouer? Et pourquoi t'as pas utilisé la pierre des morts depuis le début, Mike? Je sais pas. Je savais pas. Hein? Bon, c'est le boss, là. Je crois qu'on l'a trouvé. Fantastique. Ferme la bouche. Marionnette de Séraphine, je viens me divertir. Nous, des marionnettes? Non. Vous êtes des héros. Non, mais on fait ce qu'on peut. Vous êtes là pour m'arrêter. Pour contrecarrer mes projets diaboliques. C'est juste une mission. Vous ne comprenez même pas la raison de votre présence. Peut-être pas. Ah bon, on est parti. Mais on sait comment... te tuer. Ok. C'est une belle journée, ciao. Fils des dieux. Bon, bonjour. C'est tout? Aïe. Aïe. Oh, c'est mal, hein. Occupe-toi des petits. Ouais. Ah, je suis mort. J'ai besoin de soins. Un peu de vie. C'est pas mal. Je vais enlever au taquet de vie. Non mais Vincent, quoi? Ah, je l'avais pas vu celui-là. T'es en train de tirer l'autre. T'as mis regain de la vie toi? Vincent, faut que tu casses un peu quelque chose là. Il est en train de regagner de la vie. Là, devant. Ah ok. Lâche-moi toi. Vas-y, m'occupe-toi des points. Ah, j'ai bugué. Quoi? T'as bugué. Ah, c'est bon. On continue là-dessus, tu t'occupes là des gros. Attends, on a un qui arrive sur ta gueule là. Je peux pas tout Mais tu t'occupes de ceux qui sont entre tes mains. Aïe. J'ai besoin de soin. Ah, je me prends découpé tout dans la face. En morceaux. Ah, moi j'ai plus de vie non plus. J'ai pas besoin de soin. Merci. Juste à toi. C'est ça que t'appelles manier l'épée? Yeah.
Kadok. Ah bah on est mort. Ok, ça va pas du tout là. Non. Je vais mourir, Kadok. Aide-moi. Je comprends pas comment esquiver ses attaques à lui. Mais en fait, je pense que quand tu sais, quand il fait ça là, quand il tape dans ses mains, ouais, il faut se cacher derrière les trucs. Quand il crache, il faut pas se mettre là où il crache. Et quand il y a les têtes qui s'approchent, je dois peut-être les éclater, je sais pas. Faut que je regarde, faut connaître. Mais en tout cas, j'enlève pas mal de vie. Je vais prendre d'autres épées, moi, du coup. Ah! Ouais, ça marche, je te cache derrière. Donc, je suis de lui. Attention! Ok. Aïe! J'arrive! Par contre, le mieux c'est que tu restes à côté de moi. Ouais! Fini pour toi. Là, par exemple, si tu restes au milieu, tu restes à côté de moi. Ouais, bah, j'arrive, hein. Ouais, mais tu te bats dans le même truc. Vas-y, casse le mur. Pas toi. Lequel? Celui que t'as fait tout à l'heure. Non, non, c'en a un autre. Ah, ouais, c'est celui qui est tout à gauche. Ça va pas faire attention, cache-toi. Ah, j'ai fait le temps. Bah oui, c'est pour ça que je te reste à côté. Oui, mais je suis parti direct après. Attention. Ouais, c'est ça, faut que je dise. Attention, cache-toi. Il va se régénérer. Voilà, vas-y, il va casser. Ah lui il sort du... T'as vu comment il est parti en sirène? Ouais, j'ai pas... J'ai vu. Il faut direct reculer. Aïe, c'est quoi ça? Là j'avais les squelettes, plus j'étais sur les squelettes parce qu'il y a un sinon tu es parti trop qu'à... loin, tu penses. Non, j'étais au pilier, Mayo, le temps que je revienne. Ouais, non, mais j'ai trouvé quelques squelettes, il y en avait 4 ou 5. Donc à un moment, je peux pas m'occuper des squelettes, du boss et en même temps. Bah, c'est bon, je reste en moi. Ouais. Aïe. C'est chier. Alors il va se régène. Non, là il allait taper dans ses mains. Ah, ça y est, il se régène. C'est pas celui-là? Ah, c'est celui-là. Cache-toi, non? J'ai besoin de soi. Ok, je vais enchaîner sur le balade. J'ai besoin de soi. Les têtes, les squelettes. Ouais, mais c'est quoi ça?
parti, on va taper dans les mains. Et après il va se réjouir. Peut-être apprendre quelque chose. D'accord. Voyons voir. Ah, c'est Séraphine. Ça doit être lui. Ouais. La paix était proche. Le mari de la madame de tout à l'heure. Oui, de la madame du début, oui. Bon, vous avez eu votre vengeance, Séraphine. Ça fait quoi ? Ce n'est pas une vengeance, guerrier. Ça ne l'a jamais été. C'est une question de salut. Pour moi. Et pour mon amour. De salut ? Il vous a tué ? Non, pas lui. Il n'aurait jamais fait une chose pareille. C'était le Sleg. C'est un mâle ancestral, rusé et pervers, mais il n'a pas de forme. Il a besoin d'un hôte, le corps d'un mortel soumis à son pouvoir. Un corps qui appellerait de lui-même son pouvoir.
Un corps qui sacrifierait la personne qui lui est la plus chère. Un corps encore plus puissant que son prédécesseur. C'est pour cela que je vous ai amené ici. Lequel de nous va se transformer ? Pour remplacer Anuvin. Pour nous libérer, lui et moi. À présent, l'un de vous deux doit tuer l'autre afin de devenir le nouveau serviteur du Slag. Yes ! Et le cycle continuera. Jamais. Nous n'avons pas traversé toutes ces épreuves ensemble pour se retourner l'un contre l'autre. Nous ne serons pas les esclaves de ce cycle. Mais vous l'êtes déjà. Vous avez bu le Slag de votre propre volonté. Et pour votre bien, son pouvoir est déjà en vous. Non. Je ne me soumettrai pas à ce mal. Non, fillette. Non. Tué. Oui, je savais bien que tu finirais par me tuer. Ok, alors si j'ai bien compris, c'est par rapport à qui a bu quoi tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que moi j'ai bu plus de Slake que toi en fait. C'est pour ça que je t'ai tué. Possible. Et je pense qu'on aurait eu une autre fin si on n'aurait rien bu. Donc c'est toi qui aurais été dire... Alors oui, si toi t'avais bu et que moins, eh ben c'est toi qui serais... c'est moi qui serais mort. Mais je pense que si on n'aurait rien bu pendant toute la partie, jusqu'au bout, tu crois que ça aurait changé quelque chose aussi ? J'aurais pas de dire. Parce qu'on n'aurait pas le truc du Slag, on n'aurait pas bu du Slag du tout, quoi. Peut-être que ça aurait été quelqu'un d'autre. Ouais. Celui qu'on a recroisé plusieurs fois, à chaque fois on le libérait. Voilà. Bon bah, j'ai dit, c'était le dernier épisode. Hein. On s'est bien fait enfler, quand même. Ouais, bah c'est surtout toi qui t'es fait enfler. Hein. Moi, je suis encore en vie, hein, de mon côté. Ouais, et vois la vie que tu vas te taper. Ouais. Donc voilà. Ok, merci d'avoir regardé cette série avec nous. Enfin, nous, on l'a fait, vous avez regardé. C'est mieux dans ce sens-là, je pense. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau jeu et une nouvelle saison. Allez, ciao. C'était Manu et Vince. Salut.